Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. À près de 30 000 personnes se sont réfugiées à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du pays, depuis le 20 décembre, à la suite d'une recrudescence de combats entre l'armée nigérienne et le groupe Boko Haram, d'après les Nations Unies. Quelques 250 travailleurs humanitaires ont été obligés de quitter les zones affectées par la force depuis novembre, mettant en péril de l'assistance humanitaire pour des centaines de milliers de personnes. Et en Guinée-Bissau, ce sont les enseignants qui ont mis fin à 4 mois de grève après un accord avec le gouvernement pour notamment le paiement d'intérêts de salaire, l'adoption d'un plan de carrière pour tous les professeurs, ainsi que les meilleures conditions de travail. Le gouvernement s'est engagé à payer les intérêts de salaire de novembre et décembre sans préciser de date et à ne pas faire de ponction sur les salaires des enseignants grévistes. À Bissau, la capitale, les écoles publiques avaient ouvert ce mercredi, mais de nombreux élèves et des enseignants ne s'étaient pas présentés. Au Maroc, les forces armées royales ont suivi 3 résistants de l'assist marocain lors d'une opération militaire près de la frontière avec la Mauritanie. La cargaison servie était composée de 148 colis d'origine cannabis, totalisant 3 résistants. Le Maroc est le premier producteur mondial et l'un des principaux exportateurs de raisins de cannabis et produits pour l'essentiel en Europe. Pour en terminer avec l'Égypte, où un agriculteur a condamné à 15 ans de prison une célèbre figure de la révolution égyptienne de 2001, il s'agit d'Amel de Douma, rejugé après avoir été condamné à la prison à vie en 2015 selon une chaîne judiciaire. Il a été condamné pour rassemblement, possession d'armes blanches, molotov et agression des membres des forces armées et de la police. C'est ici ça précise que ça sert ce bulletin. Je vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Cet entretien qui peut en vous. Vous repérez par vrai ou faux, true or false, à ce dénoncé. Pour une cause, l'actionnat n'était pas un désastre. 2. L'article de Salis critiquait vraiment la veste du coach. Vous allez maintenant répondre à ces 3 questions. 1. Pour le coach, comment étaient les joueurs? 2. Combien de buts l'équipe de coach a-t-elle encaissé? 3. Comment se termine l'entretien? Vous allez enfin apprendre des noms en relation avec le football et la défense.